Pedro, le retardataire. Peppa va visiter le musée avec sa classe. Mince alors! On dirait que Pedro Pony n'est pas là. Je parie qu'il est encore dans son lit, Madame Gazelle. Pedro est en train de dormir dans son petit lit. Pedro aime bien dormir. Pedro, réveille-toi. Tu vas être en retard pour la visite au musée. D'accord, maman. Dépêche-toi un peu, sinon tu vas rater le bus scolaire. Le bus attend toujours Pedro Pony. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Le musée ne va pas tarder à fermer. D'accord, allons-y. Oh, il n'y a personne. Peut-être qu'on est en avance, maman. Non, Pedro. Nous avons raté le bus. Oh. Tant pis. Essayons de le rattraper. Il est toujours en retard, Pedro. Regardez, il y a une voiture qui nous poursuit. Oh, bonjour, Madame Pony. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Pour laisser monter Pedro. Excusez-moi, Madame Gazelle, je ne me suis pas réveillée. Oh, Pedro, on peut dire que tu aimes dormir, toi. Oh, oui, Madame Gazelle. Nous pouvons repartir. Rien ne pourra nous arrêter maintenant. Madame Gazelle, j'ai envie d'aller aux toilettes. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Voici la station-service de Papy Doc. Que voulez-vous? De l'essence ou du diesel? Nous voulons aller aux toilettes. Vous n'avez pas besoin de carburant, Mademoiselle Rabbit? Non, nous venons juste de partir. Bien, prochain arrêt, le musée. Il est où, Pedro? Des pompes à essence, très intéressant. Oh, dépêche-toi, Pedro. Au revoir. J'espère que nous arriverons au musée avant la fermeture. Voici le musée. Monsieur Rabbit est en train de le fermer. Bonjour, Monsieur Rabbit. Nous aimerions visiter le musée, s'il vous plaît. Nous venons de fermer, mais je peux vous faire une visite guidée rapide. Voici les appartements du roi et de la reine qui sont remplis de vieilleries. Oh, très intéressant. Voici maintenant la salle des dinosaures. Ils sont doux comme des agneaux. Ah, extraordinaire. La salle des planètes, des fusées et tout le reste. Wow. Et derrière cette porte se trouve la partie la plus étonnante du musée. C'est-à-dire le monde fantastique dans lequel vous vivez. Je vous remercie, Monsieur Rabbit. N'y a pas de quoi. Au revoir. Bien. Il est l'heure de rentrer, les enfants. Il est où, Pedro? Oh, Pedro! Un mollusque? Vraiment très intéressant. Allez, viens, Pedro, sinon tu vas encore rater le bus. Ils sont où, les autres, madame? Le bus est parti sans eux. Rassure-toi, Mademoiselle Rabbit va vite se rendre compte qu'elle nous a oubliés. Bon, bingo, bing, bon, bing. Personne ne s'est aperçu qu'il manquait Madame Gazelle et Pedro. Oh, vous avez raté le bus? Oui, Monsieur Rabbit, et en tant qu'institutrice, j'ai besoin de votre voiture. Tu vas voir, Pedro, nous allons prendre un raccourci. Coucou les canards! Madame Gazelle et Pedro sont de retour à l'école. Mais où est le bus, enfin? Peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Mais oui, Pedro. Pour une fois, tu es en avance. Waouh! Pedro est en avance! Oui, et vous, vous êtes en retard, bande de petits escargots. Pedro aime être en avance. Tout le monde aime être en avance. La disco patinoire. Peppa et ses amis vont à une disco patinoire. J'adore la disco patinoire, moi aussi. C'est Madame Gazelle qui anime la fête. Pensez à tourner autour de la patinoire dans le même sens, les enfants. Peppa et Georges ont chaussé leur roller. Voulez-vous
Voulez-vous que je vous accompagne en vous tenant par la main, mes petits chéris? Non, maman, on se débrouille très bien, tu sais. Peppa et Georges adorent faire du roller. Waouh! Ça va aller, Emily? Oui, papa, ne t'en fais pas. Simon Squirrel et Belinda Bear sont au platine. Ce ne sont plus des enfants. J'en ai assez de passer des disques pour enfants. Belinda Bear va bientôt avoir 10 ans. Qu'est-ce qu'on doit mettre maintenant? Les roues de l'autobus, s'il vous plaît. Oh, désolée, mais j'arrive pas à retrouver ce morceau. Tiens, le voilà. Ah, merci, Madame Gazelle. Les roues de l'autobus. Il n'y a que les tout petits pour aimer ce genre de musique. Les roues de l'autobus roule, 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 roule. Coucou, maman et papa. Coucou, papa. Coucou, Georges. Coucou, papa. Coucou, Emily. C'est très sympa. C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit. Et combien de fois peuvent-ils faire le tour de la patinoire? Des centaines et des centaines, docteur éléphant. Ah. Les enfants adorent tourner autour de la patinoire des centaines et des centaines de fois. Coucou, papa. Coucou, Peppa. Coucou, Georges. Elle, c'est Suzy Chip. Peppa, tu veux patiner avec moi? D'accord. Freddy Fox ne tourne pas dans le bon sens. Attention, Pedro. Tout le monde doit tourner dans le même sens, comme ça vous ne risquez pas de vous rentrer dedans. Coucou, papa. Coucou, Peppa. Coucou, maman. Coucou, Mandy. Coucou, papa. Coucou, Emily. Coucou, papa. Coucou, Molly. Coucou, maman. Re-coucou, Peppa. Re-coucou, papa. Re-coucou, Emily. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tout le temps. Maintenant que ce truc pour les bébés est fini, on va pouvoir passer de la bonne musique. Et j'ai justement ce qu'il nous faut. Est-ce que vous pouvez passer une patate, deux patates, s'il vous plaît? Une patate, deux patates, trois patates, cinq patates, six patates, sept patates. La prochaine fois qu'on voudra passer ce qu'on veut, il faudra être plus rapide. Oui, j'ai déjà choisi le morceau. Waouh, Danny, il s'est patiné en arrière. Oh, comment tu fais, Danny? Je sais pas, Suzy. Vite, c'est terminé. Mets ton disque, Simon. On va enfin pouvoir écouter de la bonne musique. Peppa et ses amis ne savent pas comment patiner sur ce genre de musique. Ça alors? C'était ma chanson préférée quand j'étais plus jeune. Allez bien danser, danser le disco avec tes rollers. Il y a des lumières qui clignotent sur les rollers de Madame Gazelle. Elle est encore drôlement souple. Madame Gazelle sait très bien danser avec des rollers. Waouh! J'aimerais pouvoir danser comme elle. Oui, moi aussi. Moi aussi. Allez les enfants, venez tous danser avec moi. Coucou papa. Coucou Emily. Coucou maman. Coucou Mandy. Coucou papa. Coucou Molly. Coucou maman. Re-coucou Peppa. C'est trop génial de pouvoir faire du roller sur de la musique. Peppa adore la disco patinoire. Tout le monde adore la disco patinoire. Les petites voitures. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au circuit automobile pour enfants qui est dirigé par Mademoiselle Rabbit. Bonjour et bienvenue au circuit automobile pour enfants. Il est équipé de petites routes, de petits feux de signalisation et il y a même un rond-point miniature. Oh! Et cerise sur le gâteau, vous avez le droit de conduire ces petites voitures. Est-ce que je peux prendre la voiture bleue, mademoiselle? Naturellement, Peppa. Oh! Ce n'est pas compliqué. Il suffit de pédaler pour faire avancer la voiture. J'ai compris. De tourner le volant pour prendre un virage et d'appuyer sur le klaxon. Et n'oublie pas, l'important c'est de passer un bon moment. Moi je choisis de conduire la petite voiture de course. Et moi je prends la voiture fusée.
La voiture de Mandy marche à l'électricité. J'aime bien cette voiture. Eh bien, moi, je conduis la voiture carotte. Voilà ce qui fait plaisir à entendre. Les rires des enfants qui passent un agréable moment. On doit aller dans quelle direction? Dans celle que tu veux, Suzy. Voici l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, que se passe-t-il par ici? Nous avons entendu klaxonner. Avez-vous un problème de circulation? Pas du tout. Ce sont les enfants qui s'amusent. Excusez-moi, vous avez dit amuser? Tout à fait. Vous êtes ici au circuit automobile réservé aux enfants. On aime bien klaxonner. Stop! Vous roulez dans n'importe quel sens. Ce n'est pas de cette façon que les adultes doivent conduire. Mais on n'est que des enfants, monsieur l'agent. Vous êtes tout de même responsable de vos véhicules. Et surtout, vous devez respecter rigoureusement le code de la route. Suivez-nous, les enfants. Faites comme nous, conduisez tranquillement votre voiture. Vous voyez, inutile de klaxonner. Nous arrivons maintenant devant un passage piéton où une vieille dame attend pour pouvoir traverser. Je ne vois pas de vieille dame. Mademoiselle, pourriez-vous s'il vous plaît faire semblant d'être une vieille dame? Oh, mais bien sûr, sans aucun problème. Laissez passer la vieille dame. Vous voyez, les enfants, les vieilles dames marchent tout doucement. Que faut-il faire, d'après vous? Il faut klaxonner pour la faire marcher plus vite. Non, non, non! Il faut être patient et la laisser traverser le passage piéton à son propre rythme. Oui! Comme je suis une vieille dame, je suis incapable de marcher plus vite. Cela dit, nous risquons d'y passer la journée. Je devrais lui signaler que nous attendons. Police! Ne restez pas sur la route! Parfait. Maintenant qu'il n'y a personne, nous pouvons avancer. Ah, un feu de signalisation qui vient de passer au rouge. Qu'est-ce que cela veut dire? Stop! Bonne réponse. Quand peut-on continuer? Quand le feu passera au vert. Excellente réponse. Quand le feu passera au vert, nous pourrons aller... Attendez-nous! Et maintenant, les enfants, l'endroit où nous sommes arrivés s'appelle un rond-point. Qui parmi vous sait ce que nous devons faire? Faire le tour du rond-point. Bravo, Mandy. C'est pourquoi je vais vous demander de rouler dans le même sens. Stop! Parfait. Voilà une bonne chose de faite. Tout à fait. Je pense qu'il est préférable d'en rester là pour aujourd'hui. Les enfants se sont très bien débrouillés, n'est-ce pas? Dites merci aux agents de police pour la leçon de conduite. Merci beaucoup. Je vous en prie, les enfants. Tout ce que j'espère, c'est que vous avez appris au moins une chose au sujet du klaxon. Qu'il faut éviter de klaxonner tout le temps? Exactement. Évitez de klaxonner pour un oui ou pour un non. Bonjour. C'est moi, Mandy. Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants. Peppa, as-tu passé un bon moment? Oh oui, papa, on ne s'est vraiment pas ennuyé. Peppa adore conduire une petite voiture. Tout le monde adore conduire une petite voiture. La fête de super-héros. Aujourd'hui, Pedro Pony fête son anniversaire qui a pour thème les super-héros. Suis-je un oiseau? Suis-je un avion? Non, je suis une pomme de terre. Coucou! Voilà Peppa et Georges. Oh, vous êtes déguisé en super patate, vous aussi? Oui! Super patate! Bonjour! Tous les enfants sont déguisés en super patate. Formidable! Plus il y a de super patates et plus la fête est réussie. Pourquoi tu me regardes comme ça en clignant des yeux? Parce que je me sers de mes yeux à rayon X pour essayer de voir ce qu'il y a dans ton ventre. Quoi? Ne t'en fais pas, Dani, c'est juste pour rigoler. Suis-je un oiseau? Suis-je un avion? Non! Je suis une pomme de terre! Voilà le vrai super patate. Bonjour, les petits enfants! Je ne suis pas en retard. Je cherche un certain Pedro Pony. C'est moi. Tu m'as envoyé un message. C'est écrit « Venez à mon anniversaire ». C'est un carton d'invitation. Alors, je suis venu pour sauver le monde. Qui est en danger? Personne n'a besoin d'être secouru. C'est une fête d'anniversaire. Oh, dans ce cas,
Je n'ai rien à faire ici. S'il vous plaît, Super Patate, restez avec nous. Oui, on va faire des tas de jeux rigolos. Et on a des ballons multicolores. Vous avez dit des jeux et des ballons? D'accord, je reste avec vous. Youpi! Le premier jeu s'appelle Passe-moi le paquet. À l'intérieur de ce paquet se trouve une surprise qui sera remportée par l'un des joueurs. Formidable! Et quelles sont les règles? Lorsque la musique démarre, le paquet cadeau passe de main en main. Et au moment où la musique s'arrête, il faut retirer une couche de papier. Ah ah! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Personne ne le sait et c'est justement ce qui rend le jeu si intéressant. C'est le moment de me servir de mes yeux à rayon X. Dans le paquet cadeau, il y a une petite voiture. Oh! Vous n'avez pas le droit de regarder à l'intérieur du paquet, c'est de la triche. Ensuite, je vais le déballer en me servant de ma super force. Alors, j'ai gagné? Non, non et non! C'est un jeu qui est fait pour les enfants! Vous ne pouvez pas utiliser vos yeux à rayon X ou votre super force! Mais je suis un super héros! Si vous voulez rester à l'anniversaire, vous devez promettre de ne plus vous servir de vos super pouvoirs! Bon, d'accord! Je promets de ne plus me servir de mes super pouvoirs! Voilà qui est mieux! Et maintenant, distribution de ballons! Génial! J'adore les ballons! Et un ballon pour Georges. Ne le lâche surtout pas. Ne pleure pas, voyons. Je vais t'en donner un nouveau. Qui d'autre a envie d'un ballon? Je me demande jusqu'à quelle taille je peux le gonfler. Waouh! C'est le plus gros ballon du monde, mademoiselle. En effet, c'est bien possible, Peppa. Vous vous envolez. Ne vous en faites pas. Je m'arrêterai quand j'aurai atteint le plafond. À condition qu'aucune fenêtre ne soit ouverte. Oh non! Il y a une fenêtre ouverte. J'aurais peut-être dû la refermer. Eh bien, Super Patate, allez vite la secourir. Mais j'ai promis de ne plus me servir de mes super pouvoirs et je ne trahis jamais une promesse. Au secours! Aidez-moi! Au secours! Allez, Super Patate, vous devez absolument vous servir de vos super pouvoirs. Vraiment? Vous me l'autorisez? Oui! D'accord! Je commence par utiliser mes yeux laser pour éclater le ballon. Formidable! Et ensuite? J'ai trouvé! Je me sers de mes bras super élastiques pour vous rattraper. Oh. Super Patate a sauvé la vie de Mademoiselle Rabbit. Merci beaucoup! Pas de problème! Je suis une pomme de terre! C'est mon devoir de sauver les personnes en danger! Super Patate est mon super-héros préféré! C'est la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue! Pedro adore les fêtes de super-héros! Tout le monde adore les fêtes de super-héros! Les portraits de famille! Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire les portraits des membres de notre famille. Ça, c'est moi. Je vis toute seule dans une très grande maison. Parfois, je reçois la visite de mes deux sœurs. Alors, nous nous mettons à jouer de la musique. Greta joue de la basse. Gretel joue de la batterie. Et moi, je joue de la guitare. On est un groupe de rock. La voilà, ma famille. C'est à vous maintenant, les enfants. Ça, c'est moi, Suzy Sheep. J'habite chez ma maman. Elle aime me pousser sur la balançoire. Plus fort, maman! Plus fort! Voilà à quoi ressemble ma famille. Je m'appelle Mandy Mouse. Ça, c'est moi avec mon papa et ma maman. On aime jouer dans le jardin. Attrape, Mandy. Attrape, papa. Tout le monde aime jouer dans le parc. À qui le tour? Hey. Peux-tu nous dire qui tu dessines, Pedro? C'est ma maman, c'est mon papa, et ça, c'est moi, Pedro Pony. J'ai des lunettes. Papa a des lunettes, lui aussi. Et ma maman, elle a des lentilles de contact. Formidable! Passons maintenant aux sœurs jumelles Panda. Pandora et Peggy font le portrait de leur famille ensemble. Papa est agent de police. Et maman est pompier. Des fois, papa nous emmène faire un tour dans sa voiture de police. Papa
Est-ce que tu peux mettre la sirène? Oh oui, mets la sirène en marche, s'il te plaît. Ce n'est pas possible. Vous savez bien qu'on doit la mettre uniquement en cas d'urgence. S'il te plaît. Bon, eh bien, d'accord. Merci, mesdemoiselles. Et toi, Danny Dog? Mon papa était marin. Il a vécu des tas d'aventures sur son bateau. Mais aujourd'hui, il est revenu vivre auprès de ma maman et moi. Et il ne repartira plus jamais en mer. Plus jamais, 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 jamais. Merci pour ce beau dessin, Danny. À qui le tour? Je m'appelle Penny Polar Bear. Je vis avec maman et ma deuxième maman. J'ai une maman qui est docteur et une autre qui prépare des spaghettis. J'adore les spaghettis. Merci, Penny. Et toi, Freddy Fox? Mon papa a un grand camion. À l'intérieur, il y a tous les objets possibles et imaginables par paquet de 5. Super! À toi, Rebecca. C'est moi avec ma maman, mon papa, Richard, Rosie et Robbie. On vit dans une colline. Des fois, on reçoit la visite de ma tata, Mademoiselle Rabbit. Ah, oh, ça fait du bien de faire une pause quand on est débordé. C'est Papy Rabbit à l'appareil. Je suis coincé au sommet d'une montagne et j'ai besoin d'être secouru. Oh, papa, ça recommence. Très bien, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Rabbit est toujours très occupée parce qu'elle fait tous les métiers du monde. C'est vrai. Je me demande ce qu'on ferait sans Mademoiselle Rabbit. À qui le tour à présent? Je m'appelle Peppa Pig. Ça, c'est ma maman, mon papa et mon petit frère George. George croit que son dinosaure en peluche fait peur. Alors que c'est pas vrai, mais si je joue pas avec lui, il se met à pleurer. C'est pas facile tous les jours d'avoir un petit frère. Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants. Bonjour. Bonjour, maman et papa. Regardez les portraits que les enfants ont fait de vous. Oh, ce ne serait pas moi? Si, maman. Et à gauche, c'est toi, papa. Oh, oh, on ne peut pas dire que ce ne soit pas ressemblant. N'est-ce pas? Tous ces portraits de famille sont plus beaux les uns que les autres. J'adore les portraits de famille. Peppa adore les portraits de famille. Tout le monde adore les portraits de famille. Les cochons d'Inde. Peppa est à l'école avec ses amis. Aujourd'hui, les enfants, je voudrais vous présenter mes deux adorables petits cochons d'Inde. Oh! Ils sont vraiment trop mignons. Celui-ci s'appelle Ginger. Il est drôlement malin. Oh! Et celui-là s'appelle Brian. Il est drôlement sensible. Si je les ai amenés, c'est parce que je vais prendre une semaine de vacances. Alors je cherche quelqu'un qui pourrait s'occuper d'eux pendant mon absence. Moi. Ça demande un peu de travail et vous devrez les emmener chez vous. Moi, s'il vous plaît, madame. Tu en es sûre, Peppa? Oui, j'adore les animaux. Eh bien, c'est d'accord. C'est l'heure de la sortie des classes. Maman, regarde ce que je ramène chez nous. Qu'est-ce que c'est? Ils s'appellent Ginger et Brian. Peppa a gentiment proposé de garder mes cochons d'Inde pendant une semaine. Je vois. Et voici tout ce dont vous avez besoin. D'accord. Et j'imagine qu'ils sont faciles à garder. Naturellement. Pour vous aider, j'ai indiqué sur ce tableau à quel moment il faut les nourrir et les brosser. Brosser? Oui, ils adorent être brossés chaque jour à des horaires bien précis. Je vois. Sans oublier un brossage au milieu de la nuit. Rien d'autre? Ils ont horreur de la solitude, alors vous devrez aussi dormir dans la même pièce. Entendu. Ne vous en faites pas, Madame Gazelle. On va bien s'occuper de Ginger et Brian. Merci beaucoup, Peppa. Au revoir. Bonnes vacances. Ginger et Brian sont arrivés chez Peppa et George. Allô, j'écoute. C'est Madame Gazelle. J'ai oublié d'acheter de la paille pour mes cochons d'Inde. Mais vous en trouverez à l'animalerie. D'accord. Merci, Madame Gazelle. Au revoir. Que se passe-t-il? Il faut aller à l'animalerie acheter de la paille pour les cochons d'Inde. Je m'en occupe. Vous voulez venir avec moi, les enfants? Oui, oui. À tout à l'heure. Voici l'animalerie. Bonjour, Peppa. Bonjour.
Bonjour, Mademoiselle Rabbit. C'est moi qui vais m'occuper des cochons d'Inde de Madame Gazelle. Je les connais bien. Le plus malin, c'est Ginger, tandis que Brian est le plus sensible. Apparemment, ils ont besoin de paille. Eh bien, nous avons le modèle standard, celui de qualité supérieure et pour finir, le modèle ultra haut de gamme. Vous avez bien dit ultra haut de gamme. Tout à fait. C'est la paille la plus chère, mais c'est celle que Ginger et Brian préfèrent. Il est l'heure de se coucher pour Peppa et George. Est-ce que vous vous sentez bien, Ginger et Brian? Ils ont à leur disposition de l'eau, de la nourriture et de la paille de luxe. Ils ne pourraient pas être plus heureux. Madame Gazelle a dit qu'ils détestaient la solitude. Je sais. Alors je vais dormir sur le canapé pour être sûre qu'ils ne se sentent pas seuls. Et tu penseras bien à les brosser pendant la nuit? Oui, Peppa. Je n'oublierai pas de les brosser. Bonne nuit! Tout à coup, au milieu de la nuit... Oh! Allô? Papa Pig à l'appareil. Allô? Ici Madame Gazelle. Je me permets de vous téléphoner pour que vous pensiez à les brosser. Oui, c'est justement ce que nous faisions. Quoi? Qui? Oh oui! Oh, formidable! J'espère qu'il ne vous pose pas de problème. Aucun problème, bien au contraire. Peppa et George se sont occupés de Ginger et Brian pendant toute la semaine. Ils sont aussi adorables l'un que l'autre. Voici Madame Gazelle. Madame Gazelle, alors vous êtes rentrée de vacances? Oui, j'arrive directement de l'aéroport. Comment vont Ginger et Brian? Ils sont en pleine forme, Madame Gazelle. Tant mieux. Je te remercie beaucoup de t'être aussi bien occupée d'eux pendant mon absence. C'était super facile. Veux-tu à nouveau les garder la prochaine fois que je partirai en vacances? Oui, s'il vous plaît. Peppa adore s'occuper de cochons d'Inde. Tout le monde adore s'occuper de cochons d'Inde. Le coffre au trésor. Danny Dog s'amuse dans son repère de pirate. Voici Peppa et ses amis. Bonjour Danny. Bonjour les amis. Est-ce que vous voulez jouer au pirate avec moi? Oui! Alors, déguisez-vous! Danny Dog a un carton à déguisement rempli de costumes de pirates. Regardez, j'ai un coffre au trésor! Oh! Danny, en fait, c'est juste une boîte à gâteaux? Non, c'est un coffre au trésor, Suzy! Mais regarde, il y a encore des gâteaux à l'intérieur. Très bien. Qui a envie de manger un gâteau alors? Moi! Voilà! Maintenant, c'est un coffre au trésor! Partons à la recherche d'un trésor qu'on pourrait mettre dedans! Ouais! C'est une très bonne idée! Mais il faut que quelqu'un reste ici pour surveiller le bateau pirate! Moi, je veux bien le surveiller! Pedro, si tu vois une personne s'approcher, crie: Stop! Qui va là? Stop! Qui va là? Super! On peut partir à la chasse au trésor! Danny Dog aime jouer aux pirates. Tout le monde aime jouer aux pirates. Salut! Nous sommes des petits corsaires qui partent en pleine mer à la recherche d'un trésor au Tout-Voile d'Or. Danny a trouvé une pomme de pin. Un trésor! Peppa a trouvé un coquillage. Un trésor! Suzy a trouvé un vieux bout de corde. Oh, un trésor! Mais... Freddy a trouvé un galet. Oh, un trésor! Eh bien, moi, je veux faire une petite sieste. Pedro enlève toujours ses lunettes avant de dormir. Approchons-nous de Pedro sans faire de bruit! D'accord! Danny, Peppa, Suzy et Freddy s'approchent de Pedro sur la pointe des pieds. Bouh! Oh! Ha! Tu étais en train de dormir. Oui, je suis désolée. Tu as beaucoup de chance qu'on soit de gentils pirates. On a trouvé chacun un trésor. C'est joli. Mettons-les dans le coffre au trésor. Maintenant, on n'a plus qu'à enfuir le trésor. Oui! Allez-y! Moi, je reste ici pour surveiller le bateau pirate. D'accord, pirate Pedro. Mais essaye de ne pas t'endormir cette fois-ci, hein? À vos ordres, capitaine. Ah! Les pirates partent enfouir leur coffre au trésor.
ils franchissent la colline et contournent le petit buisson. Enfouissons-le ici. Comment on va se souvenir de l'endroit où on l'a enfoui? En dessinant une carte au trésor, comme ça. On franchit la colline, on contourne le petit buisson et on fait une croix pour indiquer l'endroit. D'accord, pour indiquer l'endroit, on fait une croix. Pedro s'est encore endormi. Je suis réveillée. Pedro, tu ne portes pas de lunettes d'habitude? Coucou. Maman Pony est venue chercher Pedro. Qui va là? Tu ne reconnais plus ta maman maintenant? Pedro ne voit pas très bien sans lunettes. Qu'as-tu fait de tes lunettes? Je ne sais pas, maman. Quand les avais-tu pour la dernière fois? Je les avais quand on a mis le trésor dans le coffre au trésor. De quel coffre au trésor parles-tu? De celui qu'on a enfoui là-bas, au fond du jardin. Les lunettes de Pedro sont enterrées dans le jardin. Ce n'est pas vrai! Comment va-t-on faire pour les retrouver? On a fait une carte au trésor, madame. Maman Pony se sert de la carte de Peppa pour retrouver le trésor. On franchit la colline, on contourne le petit buisson et on tombe sur l'endroit indiqué par une croix. Ils ont retrouvé le trésor. Merci beaucoup. Les cartes au trésor sont très utiles, surtout pour retrouver le paire de lunettes qu'on a enterré sans le vouloir. La chambre de pirates de Danny. Aujourd'hui, Peppa va passer la journée chez son ami Danny. Coucou. Coucou, Danny. Peppa, tu arrives au bon moment pour nous aider. Nous avons décidé de rénover la chambre de Danny. Vous n'allez pas vous ennuyer. À plus tard, ma petite Peppa. Au revoir, papa. Qu'est-ce que ça veut dire, rénover, Madame Dog? C'est comme à la télé, quand ils changent entièrement la décoration. Oh! Je vais bientôt avoir une chambre de pirate. Ah! J'ai déjà un lit en forme de bateau pirate. Waouh! Et aujourd'hui, nous allons redécorer la totalité de la chambre. Sur les murs, on va peindre des vagues pour évoquer la mer. Et sur le plafond? Un ciel rempli d'étoiles. En me couchant, j'aurai l'impression de naviguer en pleine mer. Ah oui, la mer. Je m'en souviens comme si c'était hier. À bord de mon bateau, j'étais libre d'aller où je voulais, sous le ciel rempli d'étoiles, à la recherche de monstres marins. Mais cette vie appartient au passé. Je ne suis plus un marin et je n'aurai plus jamais la chance de repartir en mer. Le capitaine Dog regrette sa vie d'avant. Maintenant, lançons-nous dans la rénovation de la chambre de Danny. Il faut recouvrir toute la pièce de drap pour éviter qu'elle soit recouverte de taches de peinture. Et pour ne pas faire de taches sur nos vêtements, nous allons mettre un tablier. Nous allons peindre le plafond avec du bleu nuit. Parce qu'on va créer une ambiance nocturne. Oh. Maman Dog peint le plafond avec un rouleau équipé d'un long manche. Est-ce qu'on peut vous aider? Bien évidemment. Je vais vous donner un pinceau et vous allez peindre les murs. À présent, je vais peindre une grosse vague comme si la mer était démontée. Et moi, de gros nuages noirs. Et nous, on peut coller des étoiles au plafond, maman? J'allais vous le proposer. Oh, il est trop haut, le plafond. On n'arrive pas à l'atteindre. On va vous aider. Brille, brille. Petite étoile. Dans la nuit qui se dévoile. Le ciel est couvert d'étoiles. Et elle brille encore plus avec la lumière éteinte. Oh! On se croirait vraiment sur un bateau en pleine nuit. La chambre de pirate de Danny est terminée. C'est exactement comme à la télé dans ses émissions consacrées à la rénovation. Sauf qu'à la télé, la personne doit garder les yeux fermés et les ouvrir en disant « c'est un truc de malade ». Mais toi, tu as déjà vu ta nouvelle chambre? Je peux toujours faire semblant de ne pas l'avoir vue. C'est une excellente idée, Danny. Tout à fait. Et pour que l'illusion soit parfaite, tu n'as qu'à te mettre juste derrière la porte. Maintenant, ferme les yeux. Et refermons la porte. Est-ce que tu es prêt, Danny? Oui, papa. Je suis prêt. Garde bien les yeux fermés. Promis, juré. Dans ce cas, tu peux entrer.
Ne triche pas, Dani. Vas-y, ouvre les yeux maintenant. C'est un truc de malade. Dites-moi, mes petits matelots, qui a envie de prendre le large avec moi? Moi. Alors montons à bord du navire. Hé hey, hé, vers où allons-nous, capitaine Dani? Partons à la chasse aux monstres marins. À la chasse aux monstres marins? C'est le genre de voyage qui me rappellera le bon vieux temps. Yo-ho-ho, yo-ho-ho, être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère. Yo-ho-ho, yo-ho-ho, être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère. On est sur un bateau en pleine mer. Oui, que peut-on demander de mieux? Être en pleine mer tout en restant à la maison. C'est carrément la plus belle chambre de pirate qu'on ait jamais vue. Ah ah! Dani aime les chambres de pirate. Tout le monde aime les chambres de pirate. Le trampoline. Peppa et ses amis viennent s'amuser au parc à trampoline. Je n'ai encore jamais sauté sur un trampoline. Moi, j'en fais souvent. C'est le jeu que je préfère. Bonjour à tous et bienvenue au parc à trampoline. C'est Mademoiselle Rabbit qui s'en occupe. Quand on fait du trampoline, on ne doit prendre aucun risque. D'accord, Mademoiselle Rabbit. Vous allez commencer par retirer vos chaussures. Chaque trampoline ne peut être utilisé que par une personne à la fois. Pensez toujours à sauter en plein milieu. Et ne faites pas d'acrobatie. Contentez-vous de sauter. Ça a l'air amusant. Oui, très amusant. Ça me donne même envie d'essayer. Allez-y, les enfants, et amusez-vous bien. C'est vraiment génial. Oui, mais ces mini-trampolines sont réservées aux tout petits. Ça, ce sont les trampolines pour les plus grands comme nous. Maintenant, on peut sauter beaucoup plus haut. Peppa et Rebecca sautent le plus haut possible. J'adore faire du trampoline. Regardez, j'arrive à sauter jusqu'au ciel. Moi aussi. Moi aussi. Saute, 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 saute comme une sauterelle. Saute, 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 saute pour toucher le ciel. Oh, oh, oh. Je ne peux plus résister. Ha ha. Ha ha. Ouh. Regarde, Peppa. Du trampoline, lui aussi. Ah, hey, hey. Es-tu sûr que c'est une bonne idée, Papa Pig? Je sais ce que je fais. Je veux essayer, moi aussi. Moi aussi. Même les grandes personnes font du trampoline. Saute, 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 saute comme une sauterelle. Saute, 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 saute pour toucher le ciel. Maman Pig arrive à sauter vraiment très haut. Comme une sauterelle. Pas trop haut non plus, Maman Pig. Pour toucher le ciel. Oh 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 oh. Maman Pig a atterri tout en haut d'un arbre. Oh, comment je vais pouvoir descendre? Ne t'inquiète pas, Maman Pig, nous allons nous en occuper. Mieux vaut appeler le service de secours de Mademoiselle Rabbit. Allô, le parc à trampoline? Oh, c'est le téléphone pour les cas d'urgence. Allô, service de secours? Maman Pig est coincée dans un arbre. Au secours! J'arrive tout de suite. Mademoiselle Rabbit à la rescousse. Oh, la pauvre, comment a-t-elle fait? Oh là là, je me sens gênée. Je comprends. D'habitude, c'est moi qui me retrouve dans ce genre de situation. Ne vous inquiétez pas, Maman Pig. D'ici peu de temps, vous serez tirée d'affaire. Merci, Mademoiselle Rabbit. Je ne peux pas me poser sur l'arbre. Attendez une minute, je viens d'avoir une excellente idée. Oh, mais où va-t-elle? Oui! Elle vient de sauter sur le trampoline. Me voici! Oui! Waouh! Je ne m'attendais vraiment...
vraiment pas à ça. Je dois reconnaître que c'est l'un de mes sauvetages les plus surprenants. Que va-t-il se passer? Aucune idée. On a eu de la chance. J'avais oublié que l'hélicoptère était là. Bravo! Merci de m'avoir secouru, Mademoiselle Rabbit. Je n'ai fait que mon travail. La prochaine fois, essayez de ne pas sauter si haut. C'est vrai, maman. Comme a dit Mademoiselle Rabbit, quand on fait du trampoline, on ne doit pas prendre de risques. Merci, Peppa. Je m'en souviendrai à l'avenir. Peppa adore faire du trampoline. Tout le monde adore faire du trampoline. La fête des enfants. Peppa et ses amis sont à la maternelle. Monsieur Boule vérifie l'état du toit de l'école. Mouh ! Dites-moi, qui vous a installé ce toit ? C'est vous-même, Monsieur Boule. Excellent travail ! Vous n'êtes pas prête de le remplacer. Ah bon ? Pourtant, on a de l'eau à l'intérieur. Vous voyez, ça goûte depuis un moment déjà. Alors, il va falloir remplacer le toit. Oh non ! Je me demande où on va trouver l'argent pour financer les travaux. On n'a qu'à faire une fête de charité, Madame Gazelle. C'est une bonne idée, Dani. Mais qui va vouloir s'en occuper? Nous, madame. Oui, ce sont les enfants qui vont l'organiser. Mais je m'occuperai du stand de maquillage. Et moi, je m'occuperai de l'animation. On pourra organiser une course avec les papas et les mamans. Et moi, je vendrai des ballons gonflables. D'accord. Nous allons organiser une fête des enfants. Youpi! C'est le jour de la fête des enfants. Tous les parents sont présents. Bonjour à tout le monde! Danny Dog s'occupe de l'animation. Donnez de l'argent pour remplacer le toit de l'école! Emily Éléphant s'occupe du stand de bric-à-brac. Approchez, approchez! Vous trouverez forcément votre bonheur! Tu en as des choses à vendre, dis-moi, Emily. Ça va te tenir occupée au moins la journée entière. Voici Monsieur Fox. Ça m'a l'air très intéressant, tout ça. Achetez mes ballons. Ils sont beaux et pas chers du tout. Vous voulez m'en acheter un, Madame Gazelle? Oui, Pedro. J'en voudrais un rouge. Combien coûte-t-il? Combien vous avez sur vous? Oh, j'avais oublié. Nous avons besoin d'argent pour changer le toit de l'école. Regardez, Madame Gazelle. Je me suis débarrassée de toutes mes affaires. Toutes mes félicitations, Emily. Combien d'argent as-tu pu récolter? Quel argent? Tu n'as pas demandé d'argent en échange de ton bric-à-brac? Je n'en ai pas eu besoin. Monsieur Fox a tout emporté pour pas un centime. Mais venez vous faire peindre le visage. Suzy Sheep s'occupe du stand de peinture sur visage. Bonjour, Suzy. Peux-tu me faire une tête de léopard, s'il te plaît? Non, je ne sais peindre que les fruits. D'accord, fais-moi une tête de prune et voilà. Peppa s'occupe du stand de la barrique magique. Approchez! Approchez! Venez tenter votre chance! Mouh! Bonjour, Peppa! Bonjour, Monsieur Boule! Vous avez le visage tout vert. Parce que je suis une pomme. Oh! Est-ce que vous voulez piocher dans la barrique magique, monsieur? Pourquoi pas? En quoi ça consiste? Piocher un paquet dans la barrique, c'est tout. Il n'y a que des gagnants. Monsieur Boule a gagné une poupée. Je peux piocher à mon tour? Madame Cat a gagné une pelleteuse. Oh! Vous n'avez qu'à échanger? Non, merci! Monsieur Boule et Madame Cat aiment ce qu'ils ont gagné à la barrique magique. Approchez, approchez! Freddy Fox s'occupe de la course des papas et des mamans. Merci! Tout cet argent récolté servira à remplacer le toit de l'école. Je suis plutôt doué à la course à pied. Ce n'est pas une course à pied, papa. C'est une course en sac. Oh. Tu dois te mettre dans le sac et sauter jusque là-bas. Aussi vite que possible. D'accord. À vos marques. Prêts? Partez! Oh. Et ils sont tous tombés. Oh. Mais ils se sont tous relevés. Qui a gagné! Youpi! Vous avez dû vous amuser, j'imagine. Oui. Oui! Énormément! Nous devons dire un grand merci aux enfants qui ont beaucoup travaillé pour organiser cette fête. Merci les enfants!
et nous avons récolté suffisamment d'argent pour offrir à notre école un toit tout neuf. Hip hip hip. Le safari des petites bestioles. Aujourd'hui, Madame Gazelle emmène Peppa et ses amis en voyage scolaire. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire un safari à la découverte des petites bestioles. Oh, Madame Gazelle, Pedro n'est pas encore arrivé. Pedro Pony, pourquoi es-tu toujours en retard? Ah, le voilà! Pardon pour le retard. Fabrice a voulu venir en voyage avec moi. Fabrice? C'est un phasme de la famille des insectes. C'est d'accord, tu peux emmener Fabrice. Mais c'est à toi de le surveiller pendant le voyage. Merci, Madame Gazelle. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Madame Gazelle. Alors, en route! Voici le point de départ du safari des petites bestioles. Est-ce qu'on va voir des grosses bêtes sauvages qui font super peur pendant le safari? Oh non, Dani. Toutes les créatures que nous allons découvrir aujourd'hui sont minuscules et absolument pas effrayantes. Oh ah! Voici Monsieur Lion. Bonjour les enfants. Bonjour Monsieur Lion. C'est moi le guide de votre safari. Vous m'avez fait peur. Je ne savais pas que vous étiez derrière moi. Oh, 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 oh. Excusez-moi, Madame Wildebeest. Vous vous trompez. Je m'appelle Madame Gazelle. Oh, que suis-je bête. Il faut que j'essaie de m'en souvenir. Gazelle et pas Wildebeest. Si vous saviez comme les enfants sont impatients de faire ce safari. Tant mieux. Aujourd'hui, vous verrez des petits insectes vivant dans leur milieu naturel à l'état sauvage. Oh, Fabrice ne vit pas à l'état sauvage. Oh, je vois que tu es venu avec ton animal de compagnie. Comment vas-tu, Fabrice? Fabrice a dit « Très bien, merci ». Formidable! En voiture! En route pour le safari des petites bestioles! Et voilà! On est arrivé dans la forêt grouillante d'une multitude de petites bestioles. C'est bizarre, je n'en vois nulle part des petites bestioles. Tiens, si tu te sers de cette loupe, tu pourras les voir. Quand on regarde quelque chose à travers une loupe, ça paraît plus gros. Oh, une coccinelle! Oh, comme elle est mignonne! Tout à fait! Et la maison de la coccinelle est une feuille. Alors que Fabrice, lui, habite avec moi, dans ma maison. On regarde la télé ensemble. On dirait que ton ami Fabrice mène une vie très confortable. Oui, Fabrice est un insecte très heureux. Prochain arrêt, le désert rocailleux. Ici, vous allez pouvoir observer un nouvel insecte dans son habitat naturel. Comment ça s'appelle? Un mille-pattes. Comme son nom l'indique, il possède de nombreuses pattes. Ainsi, il peut se déplacer rapidement. Alors que Fabrice ne marche pas tellement. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Pedro? Il préfère rester immobile et ressembler à une brindille. Ah! Et maintenant, les enfants, nous arrivons dans la savane. C'est le milieu naturel d'un petit insecte très particulier. Oh, j'ai eu peur! Des sauterelles! C'est parce qu'elles sautent qu'on les appelle comme ça? Tout à fait. Waouh! Les sauterelles se déplacent rapidement. Hé, attendez-moi! C'est le problème avec les insectes. Ils sont devant vous et l'instant suivant, ils se sont sauvés. Ah! Fabrice a disparu! Ça alors, Fabrice le phasme s'est échappé. Oh non, où peut-il bien être? Peut-être qu'il n'a pas pu résister à l'appel de la nature. Mais il a toujours vécu dans son bocal, il ne sait pas ce que c'est que la nature. Rassurez-vous, il n'a pas pu aller bien loin. C'est vrai, alors partons tous à sa recherche. Et rappelez-vous, Fabrice ressemble à une petite brindille. Ce ne serait pas lui par hasard? Non. Ce ne serait pas lui? Non. Ce ne serait pas lui? Non. Aïe, aïe, aïe! Le pauvre Fabrice est perdu en pleine nature. C'est sans doute mieux ainsi. Les animaux sont faits pour suivre leurs instincts naturels, Madame Wildebeest. Je vous répète que je m'appelle Gazelle. Oh oui, c'est vrai, Gazelle. Regarde, Pedro, Fabrice est revenu. Fabrice, bienvenue à la maison. Fabrice le phasme aime le safari des petites bestioles. Mais ce qu'il préfère, c'est rester chez lui. Le carnaval. Peppa et sa famille sont venus voir le carnaval. Bonjour. Suzy Chip et Molly Maul sont déjà là.
Bonjour, Peppa. Vous êtes venue voir le carnaval, vous aussi? Oui, je suis pressée qu'il commence. Je sens que ça va être fantastique. Oui, il y aura des dragons cracheurs de feu. Et des gens au pouvoir magique qui voleront dans l'air. Espérons que ce sera vraiment fantastique. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est le début du carnaval? Mais non, ce sont juste des personnes qui nettoient la rue avant que le défilé ne passe. Oh, mais je dois reconnaître que ça sonne très bien. Ils utilisent leurs balais et leurs poubelles pour faire de la musique. Le carnaval a commencé. Voici Monsieur Boule et son groupe de jazz très chic. Et voici Monsieur Pony, l'opticien. Bonjour. Regardez, il y a Pedro sur ce camion. Bonjour. Bonjour, Pedro. Moi aussi, je voudrais faire partie du carnaval. Ah oui, moi aussi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Waouh, il y a un bateau qui navigue dans la rue. C'est Capitaine Papa Dog et Danny Dog. Oh, regardez, ce sont les services de secours de Mademoiselle Rabbit. Mais où est Mademoiselle Rabbit? Mademoiselle Rabbit est la reine du carnaval. Ouh! On dirait qu'elle n'a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? Ça doit lui changer la vie quand on voit tout le travail qu'elle a d'habitude. Oui, elle doit être plutôt contente de se reposer un peu. Et voici Monsieur Patate. Il est là! Il est grand! Votre ami et le mien? Monsieur Patate vous salue tous! Monsieur Patate a un gros ballon attaché à l'arrière de sa voiture. Oh! C'est sûrement le plus gros ballon au monde! Une, deux, marchons tous ensemble. Monsieur Patate est entré dans la ville. Oh non! La corde s'est détachée. Ah! Mon ballon! Oh! Ah, voilà, c'est bon. Je l'ai rattrapé. Mais je m'envole dans le ciel! À l'aide, vite! C'est urgent. Il faut appeler les services de secours. Allô? Mademoiselle Rabbit, des services de secours? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. À l'aide! À l'aide! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage? Moi! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la mort. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reine toutes les trois? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape. Au secours! À l'aide! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous. Ah non, attention! Oh, pardon, Monsieur Patate, je suis désolée. Accrochez-vous, je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan? Je n'ai pas de plan. J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure. Au revoir. Bien. Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon? Vais-je devoir l'éclater? Ah, non! Ne faites pas éclater le ballon! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Ah non! Ne faites pas ça! Oh! Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup. Et voilà, à présent je peux reprendre ma place de reine de carnaval. Oh, oh, oh. Je crois que nous avons déjà trois reines du carnaval sur le trône. C'est le meilleur carnaval de tous les temps. Peppa adore le carnaval. Tout le monde adore le carnaval. Pedro le cow-boy. En cette belle journée ensoleillée, Pedro s'amuse sous sa nouvelle tente. Voici Peppa, George, Danny Dog, Suzy Sheep et Wendy Wolf. Bonjour, bonjour Pedro. Bonjour les amis. Bienvenue dans mon campement de cow-boy. Hi-ha! C'est une tente. Non, c'est un campement de cow-boy. C'est là-dedans que les cow-boys passent la nuit. Alors c'est là-dedans que tu vas dormir maintenant? Non. Je pense que j'aurais un peu trop peur.
mais on n'a qu'à faire comme s'il faisait nuit. Mais il ne fait pas encore nuit, Pedro. On n'a qu'à imaginer que le soleil, c'est la lune. D'accord. Pedro, on peut être des cow-boys, nous aussi. Oui, vous n'avez qu'à être mes compagnons. Est-ce que mon petit cow-boy a faim? Ah, ça oui, maman. C'est comme ça que parlent les cow-boys. Et les autres petits cow-boys veulent-ils aussi manger quelque chose? Oui, oui, s'il vous plaît, maman. Est-ce que les cow-boys campent toujours à côté de la cuisine de leur maman? Non, il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait pas de maison. Ici, vous vous trouvez dans le Far West. Qu'est-ce que c'est? Le Far West, Suzy, eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys. Et ils font quoi dans la vie, les cow-boys? Ils racontent des histoires, ils chantent des chansons et ils mangent des toasts aux haricots. Toasts aux haricots pour tout le monde. Youpi! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots. Tout le monde adore les toasts aux haricots. Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boy? Tu connais une vraie chanson de cow-boy, Pedro? Oui, c'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne. Je suis un cow-boy qui mange des haricots avec un A et un I et un co. Haricoco, haricoboy, coco, kikirika, carico. Haricoco, haricoboy, coco, kikirika, carico. Allons sous la tente pour se raconter des histoires. Moi, je peux vous en raconter une. Une histoire qui fait peur, alors. C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West. Oh! Et les animaux sauvages étaient sortis à la recherche de nourriture. À la recherche de nourriture? En pleine nuit? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy. Les animaux sauvages. Grrr. Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente. Mais il n'arrivait pas à dormir parce qu'il sentait une présence autour de la tente. C'était quoi? Un animal sauvage? C'est quoi? Sûrement un animal sauvage! Ah! Oh! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro. Je crois que c'était un aigle parce que c'est le genre d'oiseau qui vit au Far West. Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Il est bientôt l'heure de rentrer. Mais on n'a pas encore eu le temps de jouer à faire semblant de dormir. Tout le monde retourne sous la tente. Bonne nuit, compagnon. Bonne nuit, cow-boy Pedro. Je suis contente qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages autour de la tente. Un animal sauvage? C'est un loup. Oui, c'est mon papa. Monsieur Wolf est venu chercher Wendy Wolf. Tous les parents sont venus chercher leurs enfants. Au revoir, cow-boy Pedro. Au revoir, les amis. Qu'est-ce que tu veux faire, Pedro? Je veux jouer à faire semblant de dormir encore un peu. D'accord. Maman, je peux rentrer maintenant? Oui, mon courageux petit cow-boy. Même les courageux petits cow-boys préfèrent éviter de dormir dehors parfois. Bonne nuit, Pedro. Bonne nuit, Pital. Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens. Aïe! Ça fait mal! Oh là là, qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa? Un bobo au genou! Oui! Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui. Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Oh! Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche. Oh,
Oh. Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour les amis. Bonjour Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Wow. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Merci, merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi? C'est super! Est-ce qu'elles sont gentilles, les infirmières? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants. Wow! Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge. Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause? Il doit s'agir de Pedro, non? Que veux-tu, Pedro? Nous sommes actuellement très occupés. Mais ça me gratte un petit peu, madame. Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi, parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie. Oui, je comprends, madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Il est l'heure de manger! Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule, s'il vous plaît. Tu peux rester au lit pour manger? Oui. Ces spaghettis m'ont l'air délicieux. Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro. Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière. Bien sûr. Eh bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie. Les visites sont terminées maintenant. Au revoir, Pedro. Au revoir, les amis. Rétablis-toi vite, Pedro. Oui, Madame Gazelle. Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation. Oh, Madame Gazelle, mon pansement au genou s'est décollé. Est-ce que je peux en avoir un autre? Tu n'as plus besoin de pansement, Peppa. Ton genou est guéri à présent. Ah oui! Bonjour à tous. Pedro Pony est de retour. Oh, bonjour, Pedro. Oh, mais où est passé ton plâtre, Pedro? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée. Est-ce que ta jambe est solide maintenant? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture. Regardez, c'est une super jambe. Tu peux recommencer à courir? Vous allez voir. Pedro adore courir en rond pour s'amuser. Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser. La toux de Pedro. Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique. Ouh, Mamselle Poupie a une poupée. Pardon, Madame Gazelle. Oh là là, Pedro se met à tousser. Ne t'en fais pas. J'appelle le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Allô, docteur. C'est Madame Gazelle. J'ai un élève malade. Pas de panique. J'arrive immédiatement. Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur. Je vois. Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très très bon. Berk! Ça a un goût de vieille chaussure pleine de confiture. Merci beaucoup, docteur Brown Bear. Au revoir! Au revoir!
Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk, ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk, moi je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien les enfants, vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, Dr Brownbear? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir. Au revoir. Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brownbear est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh, Mamselle Poupy a une poupée qui... Oh non, c'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, c'est Peppa Pig. Tous nos parents sont malades, docteur. Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas? En effet. Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche. Berk, c'est un goût de vieille chaussette à la moutarde. Merci d'être revenu les soigner, docteur Brownbear. C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade. Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade. Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant. Ne vous en faites pas. Au revoir. Au revoir. Pauvre docteur Brownbear. Il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui. Oh! Qui cela peut-il être? Coucou! On est venu prendre soin de vous. Voici des fruits. Et voilà un coussin. Et ça, c'est votre médicament. Berk, ça a un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde. Et voici une chanson qui va vous faire du bien. Le camion de pompiers. Maman Pig est habillée en pompier. Maman, pourquoi tu t'es habillée comme ça? Eh bien, parce que je vais à l'entraînement des mamans pompiers. Oh! Oh, oh! Ce n'est qu'une excuse pour bavarder autour d'une tasse de thé. Ah oui? Et toi, que vas-tu faire aujourd'hui? J'ai une réunion très importante avec l'équipe des papas footballeurs. Ha! En fait, vous allez simplement jouer au ballon comme des enfants. Nous allons aussi faire un barbecue. Voici Monsieur Boule, Monsieur Rabbit, Monsieur Pony et Monsieur Zebra. Mouh! Nous sommes venus chercher Papa Pig pour jouer. Et allons-y. Maman, on peut venir voir le camion de pompiers? Bien sûr. Oh, super. Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Rentrez voir le camion de pompiers. Camion pompier. Il y a une échelle pour grimper, une lance pour éteindre le feu et une cloche pour sonner l'alerte. Ding dong, ding dong. Maintenant, nous allons monter dans la tour pour surveiller les incendies. Bonjour à vous toutes. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Ah, et si nous prenions une tasse de thé tout en bavardant? Mais bien volontiers. Oh, un téléphone. N'y touche pas! Il est réservé aux urgences! On ne doit s'en servir qu'en cas d'incendie! Ah! Au feu! Au feu! Caserne des pompiers, où est l'incendie? Où est l'incendie? Puis-je parler à Maman Pig, je vous prie? Oh, c'est Papa Pig! Oh, Papa Pig? On ne doit pas utiliser cette ligne. Elle est réservée aux appels d'urgence. C'est bien pour cela que je t'appelle. Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate.
Papa Pig, dois-je allumer le barbecue maintenant? Oui, s'il vous plaît, Monsieur Rabbit. Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord? Tu peux compter sur nous. Les papas s'y connaissent parfaitement en barbecue. Au revoir. Il faudrait peut-être ajouter du charbon. À mon avis, il vaudrait mieux souffler dessus. À moins qu'il n'y ait pas suffisamment d'allume-feu. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un incendie. Et on va devoir attendre combien de temps? Il peut se passer un certain temps. Ça fait des années que je patiente ainsi. Combien d'incendies avez-vous éteints, Mademoiselle Rabbit? Aucun. Je n'en ai pas eu un seul. Mais il faut se tenir prêt. Qui cela peut-il être? C'est sûrement ton papa qui rappelle. Peux-tu lui répondre, s'il te plaît? D'accord. Allô? Caserne des pompiers? Allô, Peppa? Papa, c'est encore toi? Écoute, cette fois tu exagères. Ce téléphone sert seulement quand il y a un feu. Passe-moi Mademoiselle Rabbit, ce serait gentil. Mon papa voudrait vous dire quelque chose. Allô, Papa Pig? Cette ligne téléphonique ne doit être utilisée qu'en cas de... Au feu! Au feu! Ce n'est pas vrai! Le barbecue de Papa Pig est en flammes! Au feu! Au feu! Les mamans pompiers vont s'en occuper! Oui! Oui! Tenez-vous bien! Oui! Voilà les pompiers qui arrivent! Ouah! Ne restez pas là, messieurs! Maman Dog, ouvrez la citerne d'eau! Tout de suite, Maman Pig! Le feu est éteint. Ouah! Merci de votre aide, Mademoiselle Rabbit. Il n'y a pas de quoi. Cela fait partie du travail de la BMSP, la Brigade des Mamans Sapeurs-Pompiers. Étant donné que Mademoiselle Rabbit a gentiment inondé notre jardin, nous allons tous pouvoir nous amuser à sauter dans les flaques de boue. Oui! J'adore les camions de pompiers! Surtout quand ils font des grosses flaques pleines de boue! Le concours d'animaux. Peppa et ses amis sont à l'école. Écoutez les enfants, demain nous allons organiser un concours d'animaux. Oh! Amenez vos animaux à l'école. Et le meilleur d'entre eux recevra une récompense. Je viendrai avec Goldie, mon poisson rouge. Moi, je viendrai avec mon Phasme bâton. Moi, je viendrai avec mon Gecko. Moi, je reviendrai avec Champi. Ouh, ouh. Ce n'est pas un vrai animal, c'est une peluche. Ce n'est pas une peluche, c'est Champi. Ouh, ouh, ouh. Il t'aime déjà beaucoup, Dani. Zoé pourra revenir avec Champi si elle le veut. L'école est finie, les enfants. Et n'oubliez pas d'amener votre animal demain pour le concours. C'est le soir avant le concours d'animaux. Peppa et Suzy préparent Goldie le poisson rouge. Mange, mon petit Goldie. Il faut que tu sois en forme pour demain. Je vais nettoyer ton bocal. C'est parfait. Pedro parle à son phasme bâton. Un phasme bâton est un insecte qui ressemble à un bâton. Sache que demain, tu vas venir avec moi à l'école. Il va y avoir un concours pour élire le meilleur animal. Et ce sera toi le vainqueur. Edmond éléphant parle à son gecko. Regarde-moi bien. Vas-y, essaye de faire pareil. Zoé zébra parle à son singe. Tu es content de participer au concours d'animaux, mon petit ange? Ouh, ouh, ouh. Promets-moi d'être sage comme une image demain. Pas question que tu te mettes à faire le singe. C'est le jour du concours d'animaux. Madame Gazelle, qui est-ce qui va décider quel animal est le meilleur? La doctoresse hamster. Bonjour les petits enfants. Bonjour. Oh, ça alors, comme ils sont beaux vos animaux. Voilà un petit poisson qui a l'air heureux. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Goldie, mais vous l'avez déjà vu? Vous avez remarqué comme son bocal brille? Mais... Et quel est le passe-temps préféré de Goldie? Il aime tourner en rond et faire comme ça avec sa bouche. C'est fantastique! Et lui, qui est-ce? C'est un phasme bâton, madame. Et comment s'appelle-t-il? Steven. Et que fait-il au juste? Il ne fait que ressembler à un bâton. Oh, comme c'est étonnant. Oh! De quel genre d'animal s'agit-il? Il s'agit d'un gecko.
Et quel est son petit nom? Hémidactylus frenatus. Il en sait des choses, Edmond éléphant. Ah, d'accord. Et que fait-il, ton gecko? Ça. Oh, à qui le tour maintenant? À Champi. Est-ce normal qu'il ait la tête en bas? Oui, il dort comme ça. Oh, je vois. En tout cas, il est adorable. Je suis venue avec mon animal, moi aussi. Voici Titine la tortue. Elle aime beaucoup grimper aux arbres et oui, aussi... Oui, mais c'est qui le gagnant? Oui, qui mérite la récompense? Oh, et le grand gagnant du concours est Titine la tortue. Oh, la doctoresse hamster a choisi de récompenser son propre animal. Ce n'est pas juste. C'est vrai, c'est votre animal. Oh, non, c'est juste un prix qui récompense la meilleure tortue. Le prix du meilleur poisson rouge est attribué à Goldie. Youpi! Le prix du meilleur gecko est décerné au gecko. Youpi! Le prix de l'animal qui ressemble le plus à un bâtonnet est attribué à Steven. Youpi! Quant au prix du meilleur singe, il est décerné... Docteur et Samster, ce n'est pas un vrai singe, c'est juste un singe en peluche. Le prix du meilleur singe en peluche est attribué à... Champi. Youpi! Mais Doctoresse Hamster, c'est lequel le meilleur animal de tous? Ils ont tous gagné. Ils sont tous heureux et en bonne santé. Et tellement adorables. Le voyage en train. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire un voyage en train. Monsieur Rabbit est le chef de gare. Combien de billets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 billets enfants et un billet adulte, s'il vous plaît. Surtout, ne perdez pas votre billet, les enfants. Puis-je voir vos billets, je vous prie? Je crois que j'ai perdu le mien. Voyons, mon petit Pedro, il faut que tu fasses plus attention. Le voilà, ton billet. Oh oui. Tâche de ne plus le perdre, d'accord? Voilà le train. Tchou-tchou. Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train. En voiture. Youpi. Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Doc sur son bateau. Coucou les enfants! Coucou Papy Doc! Oh, et est-ce que Papy Doc est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès. Miaou. Mais voyons, il est là, ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Nay. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Clic-clic-clic, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, le train roule sur les rails.
c'est sur la liste. Youpi! Les enfants cochent le poste d'aiguillage sur leur fiche d'activité. Le train s'est arrêté au signal pour laisser passer quelqu'un d'important. Hé, hey, c'est Madame Duck et tous ses amis. Oh, c'est dommage, on n'a pas encore vu de tunnel. Oh! Oh là là, il fait tout noir. On est dans un tunnel. Le tunnel est la dernière chose à cocher sur la fiche d'activité. Youpi! Terminus! Nous sommes arrivés! Tout le monde descend! Mais, Madame Gazelle, comment on va faire pour rentrer chez nous? Oh, Peppa! Nous sommes revenus au point de départ. Le train a roulé sur un grand circuit. Sortez votre billet! Pedro a encore perdu son billet. Pedro, peux-tu me rendre ma casquette? Voilà la billet de Pedro. Oh, il était là où je l'avais rangé. Bougez en rythme. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui, vous allez vous servir de votre imagination pour bouger au rythme de la musique. Oh. Dites-moi à quoi vous fait penser cette musique. Ça me fait penser à un piano. Oui, mais encore. Moi, ça me fait penser à de la musique. D'accord. Servez-vous de votre imagination. Quelles images vous viennent à l'esprit quand vous écoutez cette musique? Ça me fait penser à un cerisier en fleurs qui se balance doucement au gré du vent, au sommet d'une magnifique montagne. C'est très bien, Rebecca. Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes cet arbre qui est planté au sommet de la montagne et qui se balance au gré du vent. Vous êtes un arbre. Vous avez les pieds qui sont plantés dans la roche. Sentez le vent dans vos branches et le soleil sur vos feuilles. Vous êtes un arbre. C'est très bien, les enfants. J'ai vu parmi vous des arbres magnifiques au sommet d'une montagne. À présent, écoutez cet autre morceau musical. À quoi cette musique vous fait-elle penser? N'oubliez pas de faire travailler votre imagination. Je sais! Oui, Pedro? Est-ce qu'il faut répondre à un cerisier en fleurs qui se balance au sommet d'une magnifique montagne? Mais le rythme du morceau était plus rapide, n'est-ce pas? Un cerisier qui se balance plus vite. Dani? Ça m'a fait penser à une fanfare, Madame Gazelle. Très bonne réponse, Dani. Cette musique a un rythme très marqué pour pouvoir marcher en cadence. Les enfants, vous allez chacun prendre un instrument dans le chariot à musique. Imaginez que vous êtes dans cette fanfare qui défile au rythme de la musique. Bravo! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Madame Gazelle! Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace. C'est une fête d'anniversaire extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil? Je suis un robot des temps futurs. Bonjour, je suis une extraterrestre. Bip, bip, boop, boop. Je suis un robot, je suis un robot. Zing, zong, zing. C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter. Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne. Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique. Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui. C'est une musique qui me donne envie de dormir. Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne? Non, ça, c'est de la musique. Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été. Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour. Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué. Vous ne préférez pas plutôt celle-ci? Non. Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne? Non.
Oh! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses. Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace. Moi aussi! D'accord. Et cette musique, à quoi vous fait-elle penser, les enfants? Je sais! Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle. Par ici! Suivez-moi, les amis! Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. On fait plouf ici, on fait plouf là-bas. Un grand plaf, un grand plouf, partout on fait plaf, plouf. Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. Peppa adore bouger en rythme. Tout le monde adore bouger en rythme. Le projet scolaire. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, lequel d'entre vous peut me dire ce que c'est? C'est un château. C'est exact, Dani. Alors, pour votre prochain projet scolaire, je vais vous demander de rentrer chez vous et de fabriquer un château. Waouh! Vous pouvez fabriquer votre château à partir de tout ce que vous aurez à votre disposition. Carton, bouteilles en plastique, boîtes de conserve... On peut utiliser des paillettes. Oh, d'accord, Suzy, mais pas trop. Tu risques d'en renverser partout. Je peux faire un grand château, Madame Gazelle? Tu peux le faire aussi grand que tu veux. Vous n'avez aucune limite, les enfants, à part votre imagination. C'est l'heure du petit déjeuner chez Peppa. Maman, papa, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Laquelle, Peppa? J'ai un nouveau projet scolaire à faire à la maison. Oh, un projet scolaire? Oh, et de quoi s'agit-il? Je dois construire un château. D'accord. Si tu utilises par exemple cette boîte de céréales vide et que tu colles dessus deux pots de yaourt, qu'est-ce que tu obtiens? Une boîte avec des pots de yaourt. Non, papa, il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit déjeuner chez Suzy Chip. Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô? Désolée, mais je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui, oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup, beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig, nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton? Non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi. Youpi. Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Dis-moi ce que tu penses des tours, Peppa. Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton. Peut-être devrais-je les peindre. Bon, je te laisse, il faut que je me remette au travail. À demain, Suzy. À demain, Peppa. Alors, comment le trouves-tu? Waouh! Maintenant, il ressemble à un vrai château. Oh, oh, on a fini par y arriver. Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait. Des paillettes! Oh, si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique. De toute façon, on a... il ne nous en reste plus une seule. Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château.
Waouh, un vrai château de contes de fées. J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas? Non, non, c'était super facile. J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle. Et le résultat est vraiment magnifique, bravo. Merci, Madame Gazelle. Il est où ton château, Pedro? Tu n'en as pas fait? Si, madame, mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand. Oh, nous l'avons construit entièrement en pierre. Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination. En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur. Peppa adore les projets scolaires. Tout le monde adore les projets scolaires. Le zoo! Peppa va passer la journée au zoo avec sa classe. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à voir toutes sortes d'animaux différents? Oui, Madame Gazelle! Aujourd'hui, nous allons découvrir des animaux sauvages. Oh! Mais n'ayez pas peur. Comme ils sont enfermés dans des enclos, nous ne courons aucun danger. Oh! Ah! Un lion s'est échappé! Bonjour, je suis Monsieur Lion. Soyez les bienvenus au zoo. Voici Monsieur Lion, le gardien du zoo. Bonjour, Monsieur Lion! Vous arrivez au bon moment, parce que c'est l'heure du repas. Oh! Suivez-moi, s'il vous plaît. Voici l'enclos des tortues. Oh! Nous veillons à garder cette porte fermée pour qu'elles ne s'échappent pas. Elles n'ont pas l'air d'avoir envie de s'échapper. Tu as raison. Elles marchent drôlement lentement, ces tortues. En effet, c'est pour cette raison qu'elles vivent aussi longtemps. Combien d'années elles peuvent vivre? Certaines tortues peuvent vivre une centaine d'années. Waouh! Et maintenant, il est l'heure de manger. Qui parmi vous sait ce que mangent les tortues? Les tortues mangent des légumes, Monsieur Lion. Tout à fait. C'est pourquoi nous leur donnons de la salade. Monsieur Lion nourrit les tortues avec de la salade. Mais naturellement, les enfants, tous les animaux ne mangent pas que des légumes. Vous avez raison, Madame Wildebeest. Vous vous trompez, je m'appelle Madame Gazelle. Désolée, Gazelle, Wildebeest, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'empêcher de confondre les deux. Dites, Monsieur Lion, quel animal on va aller voir maintenant? Je vous laisse deviner, il s'agit d'un animal qui vit dans l'eau. Ce ne serait pas une baleine? Ou alors un requin? Un peu de patience! Regardez attentivement dans le bassin, les enfants. C'est ce que je fais, mais je ne vois rien. Il n'y a pas d'animaux là-dedans. Attendez, il me semble apercevoir quelque chose. Ah! Un crocodile! Bonjour, je suis Madame Crocodile. C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots. Oh! Les manchots! Ils sont adorables, n'est-ce pas? C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Oh! Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour se dandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh! Ce sont de super bons nageurs. C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à... bondir. Oh, oh, des papillons. Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi, maintenant c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh, oh, un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme.
C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants. Merci. Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger aux os. Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger aux os. Les docteurs. C'est la récréation pour Peppa et ses amis. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit? On dirait que ça vient de cet arbre. Regardez, c'est Titine, la tortue. Espèce de vilaine tortue. Redescends tout de suite de là. Attends, je vais secouer l'arbre pour la faire descendre. Tu crois que c'est une bonne idée, Pedro? Ne t'en fais pas, Peppa. Je suis super Pedro. Aïe! Oh là là, que s'est-il passé, les enfants? Titine, la tortue, est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro, je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brown Bear, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis « ah ». Ah. Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà, avec ça, tu guériras plus vite. Youpi! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brown Bear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro? Non, malheureusement. C'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement, mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Coucou, papa. Bonjour, fiston. Alors, quel est ce problème? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres? Non, je te dis que je ne vois plus rien, papa. Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, oui. Merci beaucoup, papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Youpi! Merci, messieurs les docteurs. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Regardez, Titine a besoin d'aide, elle aussi. C'est curieux. Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté? J'ai bien peur que non. Nous ne soignons pas les animaux. Oh. Elle a besoin d'un vétérinaire. Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux. Allô, docteur Hamster, j'écoute. Une petite tortue à l'envers, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Alors, dites-moi, où est la patiente? Ici, elle est tombée d'un arbre. Titine, tu es vraiment incorrigible. Je t'ai déjà répété plusieurs fois de ne pas grimper aux arbres. Vous croyez qu'elle va s'en sortir? Oui, oui, bien sûr. Je vais simplement la remettre à l'endroit. Et voilà, elle est comme neuve. Youpi! Je trouve que la méthode que vous utilisez est très intéressante. C'est pourtant la procédure habituelle, vous savez. Voici le docteur éléphant qui est dentiste. Bonjour à tous. J'ai entendu dire qu'il y avait une urgence. Avez-vous tous de bonnes dents? Oui, merci, docteur. Un dentiste est un docteur qui soigne les dents. Alors, je n'ai plus rien à faire ici. Mince alors, la voiture du docteur éléphant ne veut plus démarrer. Est-ce qu'il y a un docteur parmi vous qui sache réparer les voitures? Non. Je sais qui appeler. Allô, le garage de Papy Dog à votre service. Une panne de voiture. J'arrive tout de suite. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Essayez de démarrer. Recommencez. Et voilà, elle est comme neuve. Youpi! En fait, Papy Dog, c'est un genre de docteur pour voitures. Il y a des docteurs pour tout, même pour les voitures. Mini-monde. Maman et Papa Pig emmènent Peppa, George et Suzy Sheep visiter Mini-Monde. Dis papa, qu'est-ce que c'est Mini-Monde?
C'est un monde qui est exactement comme le nôtre, Peppa. Sauf que tout est minuscule. Ça va être amusant. Et on apprendra plein de choses. Un vrai monde avec des personnes minuscules qui vivent dedans? Mais non, c'est juste un parc de loisirs. Si là-bas tout est rikiki et minuscule, nous on sera comme des géants. Et alors on pourra dire « Bonjour, ton petit bonhomme !» Et eux, ils diront « Ah, des géants !» Ah, comme je suis impatiente d'y arriver. Stop! Quel est le problème, Monsieur Boule? Il n'y a pas de problème, Maman Pig. On fait juste des travaux sur la route. Combien de temps ça va prendre? Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous, on est en route pour aller voir Mini-Monde. Oh, j'aime beaucoup Mini-Monde. Tout là-bas est tellement minuscule. Et on y apprend plein de choses. C'est une urgence. Alors, allez-y. Merci, Monsieur Boule. Merci beaucoup. Stop! Ils ont pu passer, eux. Oui, mais eux, ils vont visiter Mini-Monde. C'est une urgence. Bienvenue à Mini-Monde, le parc de loisirs où tout est minuscule et où on apprend plein de choses. Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde. Wow! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petit. Oh! Voici Big Ben. Et juste à côté, la fameuse tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie. Il y a aussi les pyramides, l'opéra de Sydney, la statue de la liberté et la place rouge. Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr. Ah bon? Eh bien, on en apprend tous les jours ici. Oh, c'est quoi là-bas? Ça, c'est le petit monde aquatique. Oh, il y a plein de bateaux minuscules. Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit. Les bateaux, les jolis bateaux, venez louer vos bateaux ici. Et oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers. Et ça, ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates. Avec des mini pirates, regardez. Ah! Ah! Oh, c'était quoi ça? Dinosaures. Nous voici à présent dans le monde des dinosaures. Wow. C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures. Lui, c'est un tyrannosaure. Et celui qui arrive, c'est un tricératops. Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore. Oh, regardez, ils jouent ensemble, comme les vrais au temps des dinosaures. C'est incroyable. Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années. Sauf le train, bien sûr. En voiture! Oh, c'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive. Le petit train redémarre! Où est-ce qu'il va maintenant, le train? Il se rend dans le mini-monde moderne. Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Mais ici, c'est exactement comme dans notre monde à nous. C'est vrai, il y a des maisons, des routes, des voitures, des collines et des arbres. Oui, et aussi des trains, des avions et des bateaux. Mais ça bouge dans tous les sens. Jour et nuit, ça ne s'arrête jamais. Ah! Oh non, c'est cassé maintenant. Mais non, pas du tout. Regarde, Suzy. Stop! Oh, c'est un tout mini Monsieur Boule. Il fait des travaux sur la route. Comme quand on était dans la voiture pour venir ici. Mini-Monde est exactement comme le vrai monde, jusque dans les plus petits détails. On fait des travaux sur la route. Les ombres. Par une belle journée ensoleillée, Peppa, George et Rebecca Rabbit jouent au ballon. Attrape, Peppa! Attrape, Rebecca! George doit essayer d'attraper le ballon. Oh, mais c'est l'ombre du ballon qu'il essaie d'attraper. Mais enfin, George, ce n'est pas le ballon que tu vois par terre, c'est son ombre. Regarde. Quand le ballon bouge, son ombre bouge aussi. Tu sais, toi aussi tu as une ombre, George. George cherche à s'écarter de son ombre. Tu n'arriveras pas à t'écarter de ton ombre. J'y arriverai en courant le plus vite possible.
Peppa cherche à fuir son ombre. Oh! Elle est toujours là! Mais... Bonjour les amis! Bonjour Suzy! On essaye de se débarrasser de notre ombre! Personne n'a jamais réussi à s'en débarrasser comme ça. Oh! Vous avez besoin d'une trottinette. Je vais vous montrer. Oui! Suzy tente d'échapper à son ombre à trottinette. Et voilà! Mais regarde, ton ombre est toujours là! Oh! Bonjour à tous! Voici Monsieur Éléphant en compagnie d'Émilie et d'Edmond. Bonjour! Nous cherchons à nous débarrasser de notre ombre. Vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser, les enfants. Je sais, monsieur. On ne court pas ou on ne roule pas assez vite. Non, Suzy. Cela n'a absolument rien à voir avec la vitesse. Vous voyez, j'ai toujours mon ombre sous les pieds. Alors courez plus vite. Même si je cours plus vite, mon ombre me suit encore. Papa, c'est parce que ton ombre est trop grosse, alors tu la traînes comme un boulet. Cela n'a aucun rapport. Notre ombre ne nous quitte jamais, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Quand quelque chose bloque le passage du soleil, cela forme une ombre, comme celle-là. Wow! C'est moi qui ai l'ombre la plus grande, parce que je suis le plus grand. Et ce sont Georges et moi qui avons la plus petite, parce que nous sommes les plus petits. Bien dit, Edmond. Normal, je suis un petit malin. Et cette ombre, à qui elle est? Oh là là, c'est la plus grande ombre que j'ai jamais vue. Elle doit sûrement appartenir à un géant. Tu te trompes, ma petite Suzy. Elle est formée par le nuage qui traverse le ciel. Waouh! C'est quoi comme nuage exactement, Monsieur Éléphant? C'est un gros nuage. Ça s'appelle un stratocumulus. Tout à fait. Edmond Éléphant est très intelligent. Regardez, la forme de notre ombre s'est allongée. Oh! C'est parce que le soleil est en train de se coucher. D'ailleurs, il va bientôt faire nuit. Mon ombre a disparu! C'est normal, Émilie. Quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'ombre non plus. Peppa! Georges! Au lit! On arrive, papa! Au revoir, les amis! Au revoir! Il est l'heure de se coucher. Je suis un peu triste que mon ombre ait disparu. Il ne faut pas, Peppa. Le soleil s'est couché, mais on a de la lumière. Et on peut s'amuser à faire des ombres chinoises. Maman Pig se sert de ses mains pour faire une ombre chinoise. C'est un oiseau! Écoutez-le chanter. Cui, cui, c'est moi le petit oiseau. À moi! Peppa forme une araignée. Je m'appelle Mademoiselle Maigrepatte. Oh, ça fait peur! Au tour de Georges de faire une ombre chinoise. Qu'est-ce que c'est, Georges? Dinosaure! Georges a fait un dinosaure. Ça fait vraiment peur! Bravo, mon petit Georges! Maintenant, j'éteins la lumière. Bonne nuit, Peppa! Bonne nuit, Georges! Bonne nuit, ombre chinoise. Bonne nuit, ombre chinoise. Hollywood. Peppa et sa famille sont en Amérique. Ils font route vers Hollywood. Est-ce qu'on est bientôt arrivé, papa? Je n'en sais rien du tout. Arrêtons-nous pour voir la carte. Eh bien alors, que se passe-t-il ici? Encore une Mademoiselle Rabbit. Tout se passe bien, Mademoiselle Rabbit. Savez-vous qu'il est interdit de s'arrêter au milieu de l'autoroute, sauf en cas d'urgence? Mais c'est justement un cas d'urgence, Mademoiselle. Nous avons gagné le ticket pour tourner dans le nouveau film de Super Patate, Les légumes dans l'espace. Alors nous devons nous rendre à Hollywood. Oh! Eh bien, dans ce cas, prenez la première à droite et puis allez tout droit jusqu'à ce que vous voyez les étoiles. Mais on ne les voit pas en plein jour. Pas les étoiles qui se trouvent dans le ciel, les étoiles qui se trouvent sur le trottoir. Oh, merci Mademoiselle Rabbit. Au revoir. Mademoiselle Rabbit nous a dit de chercher des étoiles. Étoiles. Georges vient d'apercevoir une étoile. Et il y en a une autre à côté. Il y a une multitude d'étoiles sur toute la longueur du trottoir. Regardez là-bas, voilà Super Patate. Suis-je un oiseau?
Suis-je un avion? Non! Je suis une patate, bien sûr! Et moi, une galette de pommes de terre! Ouh. Et moi, je m'appelle Peppa Pig! Nous avons gagné un ticket pour tourner dans votre film. Les légumes dans l'espace. Eh bien, allons au studio sans perdre une minute. Nous avons un film à réaliser. Cet endroit s'appelle un studio de cinéma. C'est dans ce décor que va se dérouler toute l'action du film. Waouh! C'est comme si on était vraiment dans l'espace. Exactement. Et maintenant, nous allons vous mettre vos costumes. Peppa et sa famille sont déguisés en brocoli. T'es rigolote comme ça, maman brocoli. Et toi aussi, Peppa brocoli. Chut, pas de bavardage sur le plateau. Nous allons commencer le tournage de mon film Les légumes dans l'espace. Lumière. Moteur. Action. Attention, la galaxie est en train d'être envahie par la redoutable bande des méchantes carottes. Pas les carottes. Si, la bande des méchantes carottes. Heureusement que vous pouvez compter sur Super Patate pour sauver la galaxie. Et aussi sur Galette Pomme de Terre, son fidèle compagnon. Et quel est notre rôle? Vous jouez les légumes dans l'espace. Vous devez nous encourager quand nous sauvons la galaxie. D'accord. Et comment comptez-vous sauver la galaxie, Super Patate? Nous n'y avons pas encore réfléchi. Oh non! Les méchantes carottes sont sur le point d'anéantir notre galaxie! Si seulement nous savions comment nous en débarrasser! Moi j'ai une idée, on n'a qu'à les manger! Mais il y en a beaucoup trop! Ohé! Y a quelqu'un? Que se passe-t-il? Nous sommes un groupe d'admiratrices de galettes de pommes de terre. Voici Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit et Mademoiselle Rabbit. Super! Voilà les Mademoiselles Rabbit. Nous avons décidé de prendre un jour de congé pour changer. Nous voulions absolument rencontrer Monsieur Galette. C'est notre pomme de terre vedette préférée. Vous êtes trop gentils. Pourriez-vous nous aider à sauver la galaxie? C'est simple, il faut manger toutes les carottes. Pas de problème, en tant que lapin, nous adorons les carottes. Laissez-moi quelques-unes, moi aussi j'adore les carottes. Regardez, c'est notre Mademoiselle Rabbit. Délicieuse. Mission accomplie, nous avons pu sauver la galaxie. Youpi! Grâce à Peppa Pig. Et à toutes les Mademoiselles Rabbit. Je t'en prie, Peppa. Si je suis là, c'est pour vous ramener à la maison. Oh, déjà, mademoiselle? Alors au revoir, tout le monde. Au revoir. As-tu aimé ton voyage en Amérique, Peppa? Oui, c'était vraiment super génial. Qu'est-ce que tu as préféré? Ce que j'ai préféré, c'est... absolument tout. Peppa n'est pas prête d'oublier son voyage en Amérique. La voiture de police. Peppa et ses amis sont à l'école. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Gazelle. Aujourd'hui, en guise de récompense, certains d'entre vous vont avoir la chance de passer la journée avec les agents de police. En tant que prisonnier? Mais non, Freddy, en tant qu'invité. Ils nous accompagneront à bord de la voiture de police pour venir en aide à la population. Qui veut aller avec eux? Moi! 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 D'accord, Peppa et Freddy. Voici la voiture de police. Amusez-vous bien. Je vous appellerai quand il sera l'heure de déjeuner pour les enfants. Pas de problème, Madame Gazelle. À tout à l'heure. Ne soyez pas en retard. Au menu, il y aura des sandwichs et de la gelée de framboise. Des sandwichs et de la gelée de framboise? C'est délicieux. Les policiers aiment les sandwichs et la gelée. À plus tard, tout le monde. À plus tard. Bon, 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 bon. Est-ce qu'on peut mettre la sirène, s'il vous plaît? Malheureusement, non, Freddy. Nous avons le droit de nous en servir uniquement en cas d'urgence. Mais que se passe-t-il ici? Ça alors, ils sont tombés dans un embouteillage. Nous allons devoir doubler toutes ces voitures pour connaître la cause du problème. Est-ce qu'on peut mettre la sirène maintenant? Tout à fait. C'est exactement pour ce type d'urgence qu'on se sert des sirènes. Youpi! Regardez! Apparemment, c'est la voiture de Monsieur Stallion qui est tombée en panne.
Ah, la police! Si vous saviez comme je suis content de vous voir! Expliquez-nous ce qui vous arrive. C'est ma voiture qui est tombée en panne. Ne vous en faites pas, monsieur Stallion. Nous allons régler ce problème. Merci beaucoup! Inutile de nous remercier. Nous ne faisons que notre travail. Véhicule garé au milieu de la route et qui gêne la circulation. Il suffit de déplacer le véhicule sur le bas-côté de la route. Et voilà. Ainsi, la circulation peut reprendre. Youpi! Et voilà, une bonne chose de faite. Au revoir, monsieur Stallion. Au revoir. Au revoir. Comme vous le voyez, les enfants, les journées d'un agent de police sont remplies de ce genre d'interventions. Et nous ne savons jamais quelle sera la prochaine. Appel à toutes les unités. Appel à toutes les unités. Qui est-ce qui parle? Un collègue qui est au poste de police. Nous vous recevons 5 sur 5. À vous. C'est une urgence. Il y a un chat coincé dans un arbre. Encore un cas d'urgence. Est-ce qu'on peut remettre la sirène, s'il vous plaît? Évidemment, Freddy. Nous avons un chat à secourir. Bonjour. Expliquez-nous ce qui se passe. C'est Monsieur Cat. Miaou! Monsieur Cat est coincé dans un arbre. Que faites-vous donc là-haut, Monsieur Cat? J'ai voulu grimper. Et pourquoi? Sur le coup, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Bon, oh, et maintenant vous êtes coincé. Eh oui. Heureusement que nous sommes venus pour vous aider, n'est-ce pas? Oui. Oh, je vais chercher l'échelle. Ne vous en faites pas, Monsieur Cat. On va vous descendre de là. Voilà encore une bonne chose de faite. Youpi! Désolé, en voyant cet arbre, je n'ai pu résister au plaisir d'y grimper. Je comprends. C'est une mauvaise idée d'avoir planté un arbre à cet endroit. Arbre dangereux planté au mauvais endroit. Alors, les enfants, comment avez-vous trouvé cette journée passée avec la police? Fantastique, Monsieur Panda. Quand je serai grand, je voudrai devenir policier comme vous. C'est bien, Freddy. Allô, la police? À vous. Encore une urgence? C'est génial! On ne s'ennuie jamais avec vous. Ici l'agent de police Panda. Je vous reçois 5 sur 5, madame. À vous. C'est Madame Gazelle. Peppa et Freddy sont en retard pour le déjeuner. Je vous rappelle qu'il y a des sandwichs et de la gelée au menu. Terminé. En retard pour des sandwichs et de la gelée? Voilà ce que j'appelle un véritable cas d'urgence. Alors, est-ce qu'on peut remettre... Remettre la sirène? Évidemment, c'est justement à ça que servent les sirènes. Youpi! Peppa et Freddy adorent les voitures de police. Tout le monde adore les voitures de police. Les cerceaux. Peppa et George sont à l'école avec leurs amis. Les enfants, aujourd'hui, nous allons nous amuser avec des cerceaux. S'amuser avec un cerceau est un excellent moyen de faire de l'exercice. Et faire de l'exercice, c'est bon pour la santé. Tout à fait. Cela permet de faire travailler les muscles et d'accélérer le rythme cardiaque. Boum, boum, boum. Allez-y, prenez chacun un cerceau. Il existe de nombreux mouvements que l'on peut effectuer avec un cerceau. Et nous allons commencer par le lancer en l'air comme ceci. Hop là! Et attrapez! À votre tour maintenant! Hop là! Félicitations! Maintenant, vous allez essayer de faire rouler votre cerceau sur le sol et de courir le rattraper. Ensuite, vous allez poser votre cerceau par terre et vous allez vous mettre à sauter d'un cerceau à l'autre. Hop! Hop, 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 hop,
Ce n'est pas facile de faire tourner un cerceau autour de son ventre. Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Cela demande beaucoup d'entraînement pour maîtriser cet exercice. Il est l'heure de rentrer. Emportez votre cerceau chez vous pour pouvoir vous entraîner. Regarde, maman, Madame Gazelle nous a donné des cerceaux. Oh, formidable! Papa, papa, regarde ce qu'on a rapporté. Waouh! Des cerceaux! C'est pour qu'on fasse de l'exercice. Ah, d'accord. Madame Gazelle nous a dit que l'exercice, ça permettait au cœur de faire boum, bim, boum. C'est excellent pour la santé. On lance le cerceau en l'air comme ceci. Hop là! Et puis on le rattrape comme ceci. Tu te débrouilles super bien. Et puis on le fait rouler comme ceci. Oui! Et puis on saute dedans comme ceci. Ça a l'air amusant. Vous pouvez essayer si vous voulez. Oh, c'était chouette. C'est vrai que maintenant mon cœur fait boum, bim, boum. Mais l'exercice le plus amusant, c'est de faire tourner le cerceau autour de son ventre comme ceci. Oh. Mais c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Je peux quand même essayer. D'accord, mais il ne faut pas te décourager si tu n'y arrives pas du premier coup. Voyons ce que ça donne. C'est parti. Allez, zou! Ah, Maman Pig se débrouille très bien. Waouh! Tu es super forte! À toi maintenant, Peppa. C'est parti. Allez, zou! Oh, je n'y arriverai jamais. Je viens d'avoir une idée. Attends, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais, papa? Tu vas où? Avec ça, tu devrais y arriver. Le cerceau tourne autour des... Vous allez voir, ça va vous aider à le faire tourner. Peppa sait faire tourner son cerceau. Georges sait faire tourner son cerceau. On y est arrivé, Georges. Vous vous débrouillez très bien. Peppa et Georges adorent faire tourner leur cerceau. Tout le monde adore faire tourner son cerceau.